Bonjour, ici Nathalie, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon haul Kiko que j'ai commandé sur internet avec les moins 30%, donc c'était jusqu'au 1er décembre. Donc bah, je vais vous présenter tout ça. Donc je me suis acheté déjà des fards, les clips, là, le clip système. J'en ai pris 9, donc j'ai pris la boîte. Alors je l'ouvre, voilà les couleurs que j'ai pris. Donc j'ai pris la 238, donc c'est celle-ci. La 239, la 240, la 213. Ensuite, j'ai pris la 217, donc celle-ci, du milieu, la 217, la 243, la 243, je vous les montre même pas, la 243, la 237, donc là c'est plus dans les tons beige, la 214, donc celle-ci, voilà, et le reste, c'est la 218, la 218. Donc ce qui est bien, c'est que derrière les fards, quand vous les ouvrez, vous avez les petites étiquettes à enlever et que vous pouvez coller sur le boîtier, comme ça vous retrouvez vos numéros de couleur. Donc voilà. Donc ça se présente comme ça. C'est dans une petite boîte. Vous enlevez, vous avez le petit clip, le fard à paupières, avec derrière la référence que vous pouvez retirer pour recoller sur votre d'autres palettes. Et ça s'ouvre tout simplement comme ça. Et vous avez votre fard qui est juste à clipser dans la palette. On va passer au Smoky Look Eyeshadow. Donc là j'en ai pris 3. Je les adore ces petits trucs là. Vous savez, c'est ce que les fards qu'on est, les gros fards à la paupière qu'on estompe avec le petit bout en mousse. Donc j'ai pris le 2, le 9 et le 8. Alors le 2, donc c'est une couleur corail. Voilà le 2. Beau corail. Ces fards sont très crémeux, très faciles à estomper. Donc derrière il y a le petit embout mousse, pareil pour estomper la couleur. Ça se fait tout seul. Donc ça c'était le 02. Ensuite j'ai pris le 09. Donc il y a un gris anthracite. Même système. Avec des paillettes. Il est très beau celui-ci. Et pour finir, j'ai pris le 08. Qui est donc un turquoise. Un joli turquoise. Voilà, ça augmente ma collection parce que vous avez dû voir mon dernier haul, j'en avais acheté déjà 2. Donc comme j'adore et que je me fais facilement des smokies, je lis 2 gloss. Donc un extra volume gloss en teinte 02. Donc c'est les gros comme ça. En teinte 02. Un nude, c'est
un nude un peu. Oh, il est beau. Pour mettre par-dessus mes rouges à lèvres nude. Et j'ai pris un super gloss brillant à lèvres en teinte 126. Donc, qui est plus dans les tons corail saumonné. Qui est très discret celui-là. Pareil pour aller avec mes nudes plus rose. Il sera parfait. J'en avais plus, donc j'en ai profité avec les moins 30%. Je me suis pris le bain dissolvant simple et rapide. Donc, vous savez, le petit système en mousse, on tourne. Donc je vais voir ce qu'il vaut. Hein. J'espère qu'il ne va pas m'abîmer les ongles. Dissolvant par immersion à action rapide. Est-ce qu'il y a de l'acétone là-dedans? Ils ne le mettent pas. Il n'y a pas la compo. Ah si, il y a la compo là. Contient de la vitamine E et à l'action antioxydante. Ah bah c'est bien. Donc en principe, il doit être bien ce petit truc là. Puis je me suis pris un stylo French Manucure. Donc ça se présente comme ça. C'est pour faire les French. Alors, comment ça marche déjà? Oui. Ça se dévisse. Vous appuyez en bout, le blanc sort et vous faites votre French. Donc là, je vais voir ce que ça donne. Bien agité avant emploi, capuchon bien fermé. Voilà. Et ça, c'est fabriqué au Japon. Et pour finir, je me suis pris, parce que j'en avais déjà de la collection de l'année dernière, mais cette année, ils ont ressorti des couleurs dans les Coral Drops. Donc j'ai pris dans les drops les Coral Drops, c'est les perles liquides biphasées. C'est une jolie couleur corail. Donc c'est en pipette. Je vais vous faire un petit swatch. Ça se présente comme ça. Vous étalez. Vous voyez un peu, voilà. Et voilà ce que ça. C'en est fini de mes achats Kiko avec les moins 30% que j'ai passé sur internet. Et bah, je suis bien contente. Surtout mon coup de cœur, c'est les stylos look, les smoky look eyeshadow. J'aime beaucoup. Les autres couleurs, je ne les ai pas pris parce qu'elles me plaisaient moins. Donc j'ai vraiment pris celles qui me plaisaient. Et puis bon, bah, les fards à paupières, j'en avais déjà en clips comme ça. Et je les adore. Ils sont vraiment très bien pigmentés. Et c'est un plaisir de les utiliser. Voilà, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.